C'est reparti pour une nouvelle vidéo actu sur Cobaladé et un gendarme. C'est ça. Repartant, bah il a vu qu'il lui manquait directement les pneus de sa voiture. Vous prenez les pneus ? Bon, si t'as bien compris le délire, cette fois-ci on va parler de Cobaladé et d'un gendarme. En gros, je t'explique, il y a quelques jours il a publié justement une vidéo sur Snapchat et en gros, bah tu vois, je l'ai enregistré directement dans ma galerie. Et je me suis dit, je vais vous en parler dans quelques jours, tu vois, vu qu'il y avait beaucoup d'actu dans la semaine. Et vu que là aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'actu, je me suis dit pourquoi pas ressortir cette vidéo. En gros, je t'explique, il a refusé directement un autographe à un gendarme. Et puis, bah ça a été filmé et puis le mec il l'a mis directement sur son Snapchat, faut balader directement, tu vois. Donc voilà, bah je me suis dit pourquoi pas vous passer ça en vidéo vu qu'il n'y a pas d'actu aujourd'hui et que je sais qu'il y en a qui n'ont pas Instagram, qui n'ont pas Snapchat, qui n'ont pas Twitter, qui peuvent pas voir tout ça et qui comptent sur moi pour parler de ça, tu vois. Et qu'il y a même des personnes, ça se trouve, qui n'ont pas vu et qui comptent aussi sur moi pour parler de ça. Enfin bref, arrête de parler, je vous laisse avec le petit passage pour comprendre. C'est ça ? Voilà, c'est ça. Je suis un petit peu. Là, sur le coup, je suis pas du côté de Cobaladé, tu vois. Déjà, foutre le bordel dans un McDo, c'était un peu chaud, tu vois. Et de là, refuser carrément une photo à un gendarme, sous prétexte que parce que c'est un représentant des forces de l'ordre, franchement, ça se fait pas, tu vois. Ça se trouve que le gendarme, il achète déjà des CD de Cobaladé, tu vois. C'est un mec qui soutient Cobaladé malgré qu'il est gendarme. Ça veut pas dire, c'est. En plus, tu vois ce que je veux dire. Dans le délire, il y a des bons gendarmes et des mauvais gendarmes. Ça se trouve, lui, c'était un bon gendarme. Et c'est en faisant des trucs comme ça que ça va le rendre en mauvais gendarme. T'as compris le délire. Donc en gros, tu vois, je suis pas du côté de Cobaladé. Et pour une petite exclue par rapport à hier, ce qui s'est passé, en gros, il est passé directement à Saint-Nazaire. Je sais pas si c'est Saint-Nazaire. Oui, Saint-Nazaire. En gros, il est venu directement faire des dédicaces là-bas, tu vois. Et arrivé là-bas, tout se passait bien. Sauf qu'il a créé une émeute devant le Otakos. Il y a eu beaucoup de personnes. Et en gros, en repartant, bah, il a vu qu'il lui manquait directement les pneus de sa voiture, tu vois. Donc en gros, il a fait une vidéo en réagissant directement par rapport à ça hier. Je vous laisse avec le petit passage pour comprendre. Regarde, moi, c'est là, je vais faire mes séances dédicaces, je vais faire plaisir aux gens. Vous me prenez les pneus, vous en foutez les portières. Mais non, moi, je vais arrêter les séances dédicaces, c'est fini. Donc voilà, tu vois, après, il n'y a pas de fumée sans feu, tu vois, Cobaladé, il y a des personnes qui peuvent ne pas comprendre ses gestes dans ses Snapchats. C'est comme aller tirer sur des jeunes dans le quartier, tu vois, il y a beaucoup de personnes que ça a choqué, et il y a beaucoup de personnes que ça n'a pas choqué qui étaient de son côté. C'est toujours du 50-50, tu vois ce que je veux dire. Après, moi, personnellement, je donne juste mon avis, après, je dénigre pas Cobaladé, justement, j'aime bien Cobaladé, il a sorti en plus la réédition de son album, si ça peut lui faire une petite pub, malgré que ça lui sert à rien, il a pas besoin de moi, tu vois. Donc voilà, il a sorti la réédition de son album. Si jamais ça vous intéresse, il y a 3 nouveaux sons dedans, tu vois. En plus de tous les sons qu'il a déjà sortis. C'est une réédition, si t'as compris le délire. Sinon, j'ai rien d'autre à rajouter. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à vérifier que t'es bien abonné à la chaîne et à activer la petite cloche de notification parce que j'ai pas d'heure fixe pour mes vidéos. Et si jamais ça t'intéresse, tu viens dans la description. Il y a mon Instagram et mon Snapchat. C'est là où je me trouve le plus souvent hors YouTube, tu vois. Et en plus, dans la description, il y a mon compte secondaire YouTube, c'est Fico Gaming. C'est au cas où si mon compte, j'ai un problème avec mon compte YouTube là, tu vois. Donc n'hésite pas à venir t'abonner directement. Et en plus de ça, je republie directement toutes les vidéos que je mets sur cette chaîne. Et en plus de ça, il y a des exclus. Il y a certaines vidéos que je peux pas publié sur cette chaîne que je publie directement dans Fico Gaming. Donc n'hésite pas à venir t'abonner, c'est très important. Bah, sinon, j'ai rien d'autre à rajouter. Tu vois, je parle beaucoup. Je suis chaud aujourd'hui. On est chaud bouillant. J'ai rien d'autre à rajouter, mon iglo. Je te dis à soir pour une nouvelle ligne croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle excuse. Bah, mon iglo. À l'ancienne, wesh, comme au début. Bon, vas-y, on va la faire comme à l'ancienne. C'était tout mon iglo, je t'ai déjà soir pour une nouvelle mine croustillante, une nouvelle vidéo, une nouvelle exclu et peut-être une petite story time. Ah non, ça c'est les nouvelles ça, vas-y. Ah vas-y, j'en ai marre. Peace mon iglo. Il est 6h du matin, un cadavre est descendre. Mais le cœur est glacial comme chaque mois de décembre. J'ai grandi maman, bientôt faudra comprendre. J'ai couru sans arrêt comme un lapin des Flandres. Certes j'ai triché, mais tricher n'est pas joué. Tu l'as voulu, maintenant plotte l'oreiller. Je passerai dans tes cauchemars comme un rêve brisé. Juste pour que tu t'en sors, faudra venir me réveiller. On a cassé des culs, on est sorti du four. Maintenant je veux des vues, crois-moi je vais tout faire pour. On a squatté la rue et côtoyé des sourds. Te tournons le dos sur tout.